Allez, c'est parti, bonjour, bienvenue sur GTA 5. Et oui, vous êtes avec Coco94120. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre comment entrer Invincible. Donc tout d'abord, il vous faut une zone tourneau. Donc ça se passe par ici. Donc comme vous voyez, il y a la fourrière qui est juste à côté. Donc sur le plan, ça se trouve ici. Donc il faut acheter le garage qui est là. Je vais vous faire un petit zoom, vous voyez, comme ça. Donc après, dès que vous avez acheté ce garage, il faut rentrer dans le garage. C'est un peu compliqué, mais ça marche une fois sur 5. Tout d'abord, comment dire ça? Si ça marche, votre personnage va être dehors. S'il n'est pas dehors, vous êtes encore dans le garage, c'est que vous n'êtes pas invincible. Alors maintenant, il faut appuyer sur triangle et éteindre la manette. Voilà, là je crois qu'on est dehors. Ouais, normalement je crois qu'on est invincible. Donc on va essayer. Voilà, on est invincible. Donc, vous voyez, c'est pas compliqué. Une fois que vous avez compris comment faire. Donc, si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Donc, n'oubliez pas aussi d'inviter vos amis, faire tourner le lien de mon YouTube pour avoir un peu plus d'abonnés. Je vais vous faire voir quand même que je suis invincible. On va aller attaquer le fourgon blindé. Donc le fourgon, il est en haut. On va aller le chercher de l'autre côté. Par contre, regardez les vidéos jusqu'à la fin, parce que je parle jusqu'à la fin. Comme là, j'ai oublié de vous dire, vous êtes invincible. Mais s'il y a un char qui vous roule dessus, vous êtes mort. Je sais pas pourquoi, mais vous êtes quand même mort. Mais si les flics, tout ça, vous tire dessus, ben ça va, vous avez rien. Mais un char, c'est mortel, parce que comment dire, s'il arrive à vous écraser, ben il faut recommencer toutes les manips. Donc voilà, je vais vous laisser sur ce tuto pour être invincible. N'hésitez pas à inviter vos amis sur mon YouTube, de dire si vous aimez mes vidéos. Et pour le bug, n'oubliez pas qu'il vous faut le garage que je vous ai dit, une zone tourneau, appuyez sur le triangle, et dès que vous êtes dehors, c'est que le bug a marché. Donc voilà. Je vous laisse sur cette vidéo. Ben, dès que je retrouve un autre glitch, je vous le montre en vidéo. Si vous avez des bugs, des astuces, tout ça, ben, vous pouvez me le dire. On peut faire des vidéos ensemble. Donc sur ce, je vais vous laisser. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, un bon jeu. Et à bientôt.